Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne belge Activity. On est parti pour une nouvelle vidéo sur Cynthia, la légende de la justice. On est parti pour faire un petit épisode tranquille. Donc voilà, voilà, on fait tout un petit peu les un mois et une semaine en plus sur le jeu. Voilà, donc ça fait un mois de jeu. Voilà, moi personnellement. Comme vous pouvez voir, je prends mon temps. Vraiment, je monte tranquillement. Donc, je pense que j'ai vu quand même les dernières invocations que j'ai faites. Donc, j'ai récupéré avec Tetis. Et bien sûr, Saga, Evil et Shayna. Donc, voilà, je progresse vraiment très tranquille. Je fais une progression très tranquille. Ce qu'on va faire, on va faire un peu le quotidien. Et je vous parlais un petit peu de manière générale, donc tout ce qui est news sur la version chinoise. Généralement, je poste. Si des fois je fais pas de vidéo de news sur la chinoise, généralement je mets en message sur l'onglet communauté. Voilà, s'il y a un nouveau personnage, une mise à jour intéressante, généralement je le mets quand même sur l'onglet communauté. Parce que en faire une vidéo, voilà. Enfin. Parce que voilà, les news, c'est pas non plus énorme. Hein. C'est pas des grosses news. C'est pas. Voilà. Si un jour le jeu propose des news énormes, ça serait intéressant d'en parler. Si les news ont un petit peu. C'est des news, mais c'est pas des grosses news. Hein. Le reste, c'est du bug de jeu. Voilà. C'est pas. Et là, voilà. Donc, sur la chinoise, disons. On peut avoir un peu plus d'amis. On peut avoir une cinquantaine d'amis sur la version chinoise. Si vous voulez bien ajuster sur la version chinoise, vous pouvez. Mais attention, contrairement à avant, si vous connectez pas au bout de 30 jours, vous serez enlevé des amis. Je pense pas que vous serez supprimé, mais vous serez enlevé des amis. Donc voilà, donc là ça sera fait automatiquement. Je sais pas si voilà. Donc apparemment, je sais pas si on aura des choix, mais apparemment, si vous ne cotez pas au bout de 30 jours, vous serez enlevé automatiquement. Vous serez automatiquement enlevé. Voilà, donc vous ne serez pas supprimé, mais vous serez enlevé des amis. Donc on pourra aussi récupérer plus de points qu'avant. C'est quand même l'avantage. Après, voilà, cette mise à jour est arrivée comme ça. Y a pas de nouveau personnage avec qui est arrivé. Y a pas de nouveau perso qui est arrivé avec. Est-ce que cette mise à jour pourrait arriver directement sur la globale? Donc c'est pas lié à un personnage, c'est pas lié donc à un événement. Est-ce que cette mise à jour pourrait arriver comme ça directement sur la globale? Voilà, donc ça à voir. Voilà, donc voilà. On pourra avoir plus d'amis, mais par contre, vous serez limité quand même. Si vous ne connaissez pas, au bout de 30 jours, vous serez enlevé. J'avoue que ça ne pouvait pas trop m'arranger, forcément. J'avais quand même des amis assez utiles pour tester des personnages. Là, j'avoue que ce système-là, on enlève un petit peu un truc qui m'intéressait, c'est de tester des personnages pas très forts, dans des thèmes pas forts. Là, je ne sais pas comment je vais faire pour mais. Les tests entre guillemets. Voilà, donc il y a aussi. J'ai augmenté une armure là. C'est des armures random. Hein. Faire ceci. Ah, je pourrais m'en mettre un deuxième. Ok. Hop. Mission à 9 étoiles. Ok. Bon, 7 étoiles, c'est ça. Devant. Mon pire. Heureusement, j'ai ce qu'il faut. Après,
Vu que je suis pas avancé, forcément, je vais me taper tout manuellement. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, on va faire ceci, un peu en PVP. Tac. Voilà. Ce qu'on va faire aussi, on va avancer un petit peu dans notre histoire. C'est-à-dire faire récupérer les missions pour les mois. Hop. Voilà. Attends demain. Donc, ajoutez-moi dans la guide, hein, il semble que 6 sur 35. Forcément, je vous demande pas la lune, hein, je vous demande juste de farmer le quotidien et de farmer le boss. Tranquillement. Donc, voici, hein, une fois qu'on a fait le quotidien. On va avancer un petit peu dans mon histoire. Jusqu'à ce qu'on débloque l'émotion du mois. L'émotion, je sais pas si c'est l'émotion mensuelle, on sait, en semaine. Donc, l'émotion pour le mois. Donc, le saga, il est pas, le saga des Gémeaux, n'est pas encore disponible dans le shop des mois. Mais sera, je pense, disponible bientôt, je pense, en septembre. Hein, je pense pas encore disponible dans le shop du mois. Mais elle sera là un jour, quoi. Donc il faut possible que cette semaine pour les news pour la globale apparemment peut-être sera une semaine calme apparemment. Donc apparemment sera une après Tétis pour la globale sera une semaine tranquille apparemment. Voilà. Faut savoir pour ça garantie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent d'avoir débarqué plein de portails dans le jeu. Et des fois, il n'y a pas souvent des portails, hein, forcément. C'est bien d'avoir des personnages. Mais si y a pas les ressources qui vont avec, c'est compliqué. Voilà, donc des fois, il n'y aura pas de portail garanti, hein, dans le jeu. Il n'y aura pas tout le temps des portails garantis, hein. Voilà, ce rythme-là, le truc, je dis que tout le monde va pas forcément apprécier ce rythme-là. Mais les nouveaux personnages, voilà. Donc les portails qui seront mis en avant. Manière générale, les portails qui sont mis en avant, en général, sont faits pour les cash players.
Enfin, m'insiste, on peut avoir le personnage de manière gratuitement, mais en réalité, tous ces portraits qui sont mis en avant, avec le personnage qui est mis en avant, généralement, ces portraits-là sont faits pour les cacher. Oui, ces portraits-là sont. Voilà, celui-là, hein, les portails garantis, etc. En fait, ces portails-là sont faits pour les cosplayers, en général. Mais c'est bien d'avoir des personnages. Mais si derrière, ils n'auront pas les ressources avec. Parce que, en fait, ils mettent en avant des portails, mais aussi ils mettent en avant des événements. Tout simplement parce que c'est bien d'avoir des personnages. Si on ne peut pas les monter avec. En fait, c'est très bien calculé. En fait. Forcément, ces portails-là, hein, qui sont mis en avant, qui mettent en avant le personnage garanti, généralement, c'est pour les cash players. Même si on peut l'avoir de manière gratuitement, pour nous, les fruités, on le rate une deux fois. Et vous pensez bien que pour les cash players, ça va pas être une ou deux fois. On pourrait imaginer qu'il pourrait atteindre déjà les 10 étoiles, déjà, le personnage. Voilà, c'est oui, ça va. Ces portails-là vont avantager énormément les cash players. C'est voilà, c'est triste réalité, mais c'est voilà. Vous devez savoir que les cash players auront toujours de l'avance sur les free to play. Voilà, personnellement, voilà. Moi, vu que j'ai quand même pas mal joué un petit peu sur la chinoise, je vous dis, moi, je m'en fiche un petit peu. Moi, je joue pas à la course. Savoir qui est le meilleur, qui est pas le meilleur, ça, je m'en fiche. Moi, personnellement, je joue très tranquillement au jeu. Je connais assez bien, quand même, assez bien le jeu. Je connais assez bien les ennemis, ce qu'ils font, etc. Mais moi, je joue pas à la course. Vraiment, je joue pas à la course. Voilà. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Voilà. Donc on a un petit peu avancé dans notre histoire. Jusqu'à ce qu'on puisse débloquer le. Je sais pas si c'est fait marquer ici. Hein. Je pense pas. Jusqu'à qu'on puisse débloquer l'émission du mois. Préférence. Moi, je prends mon temps hein, donc, sur le jeu, vraiment. Je prends mon temps. Je suis pas pressé, hein. Moi, je prends mon temps. Pour avancer. Puis je connais quand même assez bien les ennemis qui vont arriver. Ah, et puis aussi, il faut savoir que aussi, comme je connais assez bien le mode d'histoire, en fait, ce que j'aimerais faire en avançant dans la version française, je connais quand même la team qui est quand même assez efficace. Pour le mode histoire, bon, moi j'ai envie d'essayer forcément des teams différents pour la progression dans le mode histoire. C'est pour ça que je veux pas non plus trop progresser. En fait, moi je voudrais avancer avec des personnages un petit peu différents. Voilà, voilà, des personnages peut-être sous-estimés. Enfin, pour le mode histoire, quoi. Surtout, voilà. Vu que la team qui est efficace au mode histoire, je pense. Un jour, je vous parlerai des thèmes, quand même, des thèmes efficaces pour le mode histoire. Voilà. Je pense que tout le monde le sait, mais voilà. Moi, ce que j'aimerais faire, hein, justement, avec la version française, je ne veux pas essayer de faire ce que je fais déjà sur la version chinoise, en fait. Du coup, voilà. Je joue déjà avec la team, entre guillemets, efficace pour le mode histoire. En fait, j'ai envie d'essayer une autre team pour avancer dans le mode histoire. C'est d'une team très différente ce que je suis sur la version chinoise. C'est pour ça que je veux pas non plus trop avancer.
C'est un peu bizarre comme plan, mais j'ai envie d'avancer avec une autre team en fait. Simplement, une team différente que je propose. Puis je connais quand même bien, assez bien les ennemis. J'aimerais justement avancer après, au chapitre. Après, le chapitre 10 sera très difficile. Et justement, c'est à ce moment-là que j'ai envie de tester d'autres items. Donc j'espère que forcément ma façon globale aura des items, voilà. Forcément, voilà. Si les types que je connais, mais ils sont montés, hein, voilà. Je sais pas non plus. Voici jusqu'au chapitre 6. Peut-être au chapitre 6, on débloque peut-être l'émission du mois, peut-être. En tout cas, ça se débloque au début, hein, pour l'émission du mois. Voilà, donc ouais, j'avance très tranquillement dans le jeu. Hein. Oui, j'avance très tranquillement. Moi, je me prends pas la tête, hein. Je vous dis, je me prends pas la tête. Hein. Vraiment, je me prends pas la tête. Parce que moi, je veux pas avancer trop vite. Parce que je veux jouer avec des teams différents, en fait. Je vais justement éviter justement de rejouer avec les mêmes teams que je joue hein, sur la. Et son chinois, vu que c'est les mêmes teams, hein, enfin, ils ont les mêmes compétences, il n'y a pas trop de différence entre la version française et la version chinoise. Hein. C'est pour ça que je veux jouer avec d'autres teams en fait. Je vais quand même voir. Ah voilà. Ok. Ok, voilà. L'avons débloqué. Bon, finalement, il fallait juste avancer un petit peu dans l'auditoire, ok. Nous l'avons débloqué. Le mode donc. Le mode. Voilà. Donc ça c'est pour l'émission du mois. Pour l'émission du mois, c'est ici. Voilà, donc c'est l'émission mensuelle. Apparemment, j'ai déjà bien avancé. Ok, alors là, ok. Petit fil en. Donc, question de beauté 7 jours, ok. On va faire les quêtes quotidiennes, les quêtes hebdomadaires. Ok, améliorer 25 chevaliers dans la salle des chevaliers, ok. Racheter 30 fois les objets. Invoquer 50 chevaliers. Gagner 30 matchs de tournoi des points de gloire, ok. Voilà. Bon, c'est des missions, hein. C'est franchement. C'est des missions, il faut pas se prendre la tête. C'est des missions qu'il ne faut pas se prendre la tête. Voilà. Le reste, ça va suivre. Hein. Donc voilà. C'est des missions, c'est le même que les quêtes quotidiennes et les quêtes hebdomadaires, à part, voilà, c'est à part ça en plusieurs fois. Voilà, c'est en plusieurs fois. Ici, vous pouvez récupérer des diamants. Des diamants. Il y a une multi. Il y a une multi avec des pierres jaunes. Voilà. Et ça, c'est tous les mois. Forcément, mon conseil pour l'émission du mois, pour moi, avantagez vos doublons. Alors, si, voilà, si vous commencez, voilà, si vous voulez vraiment acheter des personnages, pour moi, avantagez vos doublons. Voilà, si vous avez, si un personnage est pas loin d'un doublon, absolument, avec vos quêtes mensuelles. Privilégiez vos personnages, vos doublons. C'est un personnage qui manque un doublon. Pour moi, privilégiez les doublons. Voilà, moi, voilà, je ne sais pas qui je vais prendre, forcément. Voilà, je vais voir qui je vais prendre. Donc, logiquement, bientôt, il y aura Saga des Gémeaux dedans. Je pense en septembre, peut-être. Hein, je pense au début de septembre. Parce qu'il arrive très vite hein, sur la version chinoise. Donc, j'attends qu'il arrive aussi vite. Sa raison globale. Donc voilà. Pour les quêtes du mois, moi je vous conseille justement de privilégier tout les doublons en fait, simplement. Les doublons. Moi je verrai comment je vais me débrouiller. On verra bien. Je verrai bien comment. On verra bien. Donc là. Bon, finalement.
ce qu'on pourra faire un petit peu, ouais, peut-être invoquer un petit peu. Ok. Il y a peut-être un PVP en plus. Sais pas si j'ai de quoi invoquer. Donc ça, je vais garder quand même. J'ai quelques bouquets mis de côté. Bon, moi j'achète parce qu'il y a en plus un coffre avec des ressources. On va faire quelques multis. Bon, même si c'est pas forcément intéressant. Bon, j'ai déjà des tests, donc ça serait bien, voilà, avoir un petit doublon. Moi je l'aurais au moins 3 étoiles. La petite Tétis. Moi aussi forcément vu que j'ai déjà acheté les deux doublons qu'il y avait, on verra bien. Hop, let's go. On va faire 4 multi. Forcément je n'entends rien. Voilà, ok. Là. Peut avoir. Ça, il se barre bientôt. Ok, je peux acheter un petit doublon quand même. Hop. Ok. Non. Marqué zéro. C'est ça, comme ça j'ai le doublon. Peut-être ça. J'aurai 3 étoiles, 3 étoiles. Bientôt. Hop. Donc voilà. Donc c'était une vidéo. Bon, finalement courte sur le let's play. Voilà, donc voilà, donc c'était une vidéo sur, on va dire ça, on fait dès un mois du jeu. Ah ouais, il y a des codes. Avant que je parle, il y a des codes. Sur, il y en a que deux pour l'instant, non, des codes. Il y a le premier avec Ayolos. 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 C'est ok, on prend. Et un autre, c'est Seiya on monte. Ajouter du multi à faire. Mais je crois pas trop. Ce serait bien d'avoir des doublons, des feux, plantes, vent, terre. Parce que en eau, ça va. Ça commence à bien monter dans les eaux. Ah, un petit Algold. J'ai vu. Ok, ça je prends. Ça je prends. Faire la petite single.
Ok, un fake. Un fake, voilà. C'est son premier doublon, Al Gold. Ah non, ok. Ok, il me faut encore un petit doublon. Voilà. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo sur Cynthia, la légende de la visite, voilà. Tranquillement, donc. Nous avons débloqué l'émission du mois. Moi je pensais que c'était plus loin. Finalement c'était proche. Mais bon. Donc voilà, mon conseil sur ces missions-là, hein, pour moi, privilégiez vos doublons. Hein. D'abord, privilégiez vraiment vos doublons. Voilà. Au lieu de, je sais qu'il y aura des personnages très intéressants dans le futur, mais vraiment, privilégiez vos doublons. Voilà, privilégiez vos doublons. Ce sera comme plus avantageux. Parce que je sais quoi. Si vous n'êtes pas très chanceux sur les portails, on va dire ceci, ça peut comme vous dépanner. Ah, voilà. Donc, si vous formez bien, vous comptez en 2 mois, on va dire tous les 2 mois, vous pouvez acheter un personnage. Voilà. Bon, forcément, je dis, il vaut mieux que ce soit un doublon utile. Voilà, moi je conseille vos doublons, hein, sincèrement, voilà. Voilà, donc vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, commentez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Et à la prochaine.